Hey tout le monde, c'est Mathieu pour Chaîne Histoire Post aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Voilà, c'est une petite vidéo que j'avais envie de vous tourner comme ça sur le pouce. Donc du coup, c'est parti. Alors, on va partir en balade très rapidement, vite fait. On va aller dans un petit village, un petit bled. Avant, je voulais vous montrer un petit truc que j'ai acheté tout à l'heure. C'est un garde-boue. J'en avais longtemps entendu parler. Voilà, j'avais pas de garde-boue sur mon vélo, je voulais en mettre un absolument. Donc du coup, on en a mis un, enfin j'en ai mis un. Donc c'est un garde-boue de marque allemande, je n'ai plus le nom de la marque dans la tête. Mais voilà, c'est un garde-boue qui peut se lever comme ça, qui se fixe à la la selle, hop, je vous fais la mise au point, voilà, qui se fixe à la selle. Il est très pratique. Les autocollants bleus, là, c'est moi qui les ai rajoutés. Avec le kit de personnalisation de chez Decathlon que je vous avais déjà montré. Donc voilà, normalement il y en a un qui se met aussi à l'avant, mais je ne l'ai pas encore mis. Donc voilà, je le mettrai sûrement tout à l'heure. Enfin voilà, donc on va partir dans un petit bled. Donc c'est parti pour une petite vidéo. Oh, je trouve, après un petit accéléré que je vous aurais fait, finalement je voulais vous faire un accéléré jusqu'au bout, mais je me rends compte que j'avais plus de batterie dans ma caméra. Du coup, je vais vous faire une ellipse jusqu'à mon là, jusqu'au petit bled où on va. A tout à l'heure. Okay, on se retrouve enfin à mon là, donc au petit bled où je voulais aller. Voilà, donc on va faire la descente parce que là ça fait que monter. On va faire la descente pour tester un petit peu ensemble le garde-boue. Vous pouvez pas trop voir là. Bon, pour tester ensemble le garde-boue. Donc je reprendrai à la fin de la descente pour faire un petit bilan sur cet accessoire. A tout de suite. Ok, je reprends à la fin de la descente sous une pluie de merde. Il s'est mis à pleuvoir quand j'ai commencé la descente. Ah, de la descente. Alors, on va regarder le garde-boue. Voilà, donc il a bien pris l'eau. Il a même très bien pris l'eau. J'ai juste. Je fais vite, hein, très très vite, parce que j'ai plus de batterie. Le petit défaut, c'est juste qu'il manquerait d'être un petit peu plus recourbé et un peu plus long en fait. C'est juste le seul défaut. Sinon, là, c'est bien. Ma veste derrière n'est pas trop mouillée. Donc voilà, il est plutôt pas mal. C'est vraiment une petite vidéo test hein, pour tester un petit peu ce produit là. Donc voilà, en conclusion, il est plutôt pas mal. Il manque juste un petit peu de longueur et un petit peu que ça soit recourbé, mais sinon, voilà, c'est plutôt bien. On verra, j'attendrai de tester hein, dans la boue et tout ça. Mais en attendant, voilà, il reste correct pour 15,95€ chez Decathlon. Hein. Voilà, donc écoutez, c'est déjà la fin de cette vidéo. C'est une toute petite vidéo un petit peu pour tester. Hein. Donc voilà, hein, je suis un peu trempé. Mais bon, c'est pas très grave. En tout cas, c'était Castellac pour la chaîne XR Pro. Voilà.
Donc n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit j'aime, à commenter, ça fait toujours plaisir. Et quant à moi, bah, je vais rentrer chez moi sous la pluie, c'est super. Allez, je vous dis à plus tard. Bye tout le monde.